Mesdames et messieurs, l'inauguration de la fresque de la paix va commencer. J'invite Didier Guillaume, maire de Chausey-le-Roi, les représentants des villes jumelées et amies, ainsi que les jeunes de Lugo, Tirnova, Remixdorf, Peratskeni et de Sarajevo à prendre place. Je vais commencer cette intervention en vous en parlant de là où on est. Nous sommes dans un quartier nouveau. Et un quartier nouveau qui a besoin d'embellissement, qui a besoin d'équipement. Derrière moi, un peu plus loin, va être construit un nouveau gymnase. Et cet été, les œuvres d'art que représentent ces pylônes ne seront plus là puisque nous allons enfouir les lignes en tension et après enlever les pylônes. Et donc ce quartier avait besoin aussi, outre les bâtiments, de nouvelles créations. Et je suis très fier d'être le maire de cette ville où il y a des citoyens, des associations, des services municipaux qui s'investissent pour le bien commun. Et quel plus beau exemple pour commémorer l'armistice, la fin de cette guerre atroce de 14-18. L'Europe, mon pays, est en proie aux armées. Le continent roule par terre comme un sac de serpents enfumés qui s'éveillent et mordent. Alors bonjour, moi je m'appelle Benoît Piel et je suis comédien depuis 25 ans maintenant. Et j'anime pour la troisième année, les ateliers théâtre à l'espace Langevin, à Choisy-le-Roi. Enfants, ados, et l'année dernière il y avait un groupe d'adultes aussi qui n'y a pas eu cette année parce qu'il n'y avait pas les effectifs, mais si les effectifs reviennent, on fera. À la demande de quelques personnes qui travaillaient sur ce projet du centenaire, ces événements du centenaire, la fin de l'année dernière, on m'a dit est-ce que ça te paraîtrait intéressant, est-ce que ça pourrait être bien que des jeunes puissent dire des textes, des poèmes qui ont trait à la guerre de 14-18. L'heure, adieu, la foule tournoie, un homme s'agite. Les cris des femmes autour de moi, chacun se précipite. Et j'ai tout de suite trouvé ça intéressant comme idée. Donc, à partir de septembre, on a commencé à mettre ça en place. Et puis, moi, j'ai proposé aux ateliers, surtout aux ados, parce que pour les enfants, c'était quand même des textes un peu trop difficiles. C'est la guerre 14-18, c'est pas des textes légers, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai eu l'agréable surprise d'avoir des gens qui étaient intéressés, quatre adolescents qui m'ont dit oui, ça nous intéresse. Je m'appelle Wassim. J'habite dans le quartier des Hautes-Bornes et je fais du théâtre à l'espace Langevin. On nous a proposé de participer à l'inauguration de la fresque ici. En tout, ça consistait à réciter des poèmes pour parler un petit peu du centenaire de la guerre 14-18. Boum ! Fuite à jamais de l'amertume. Les prés magnifiques peints de frais tournent. Chant qui chancelle. Le point mort. Et vu le projet, il m'a plu, du coup j'ai participé à l'inauguration de la fresque. Et qui ont travaillé avec moi 4 matinées pendant les vacances, qui sont venus le matin, passer 4 heures avec moi à travailler sur ces textes. Donc moi, j'ai fait une sélection, j'ai fait un travail de préparation. Je leur ai donné les textes, j'ai fait une répartition et puis on a travaillé avec les micros parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des micros aussi, c'est un travail pas spécifique. Et voilà, et c'était très agréable. Et puis encore une fois, j'ai été agréablement surpris parce que c'est pas des sujets qui sont pour des adolescents de 12, 13, 14 ans.
Ce sont des sujets qui sont quand même assez sinistres, qui datent de plus d'un siècle. Hein. Ça paraît, pour eux, je pense que ça paraît très loin. Et non, ils sont venus, ils ont travaillé, et voilà, et le résultat était superbe. Donc je suis très content de ce travail. Voilà. Bravo, bravo, en plus vous aviez un exercice pas facile, vous avez une coupure de son, franchement, vous n'avez pas du tout lâché le morceau, c'est bien, bravo à vous, bravo. Lucas, Gaïa, Wassim, Idriss et Christina, qui sont tous, ou qui ont tous été des participants des ateliers théâtre qui se passent à l'Espace Langevin. Bravo, on a fait les 4 matinées pour préparer ce texte. Merci, merci à vous, bravo, vraiment merci. Et merci à... Mesdames et messieurs, l'inauguration est terminée. Nous remercions la présence des élus des villes jumelées et amis de Lugo, Tirnova, Unixdorf et Karatstini et de leurs jeunes, ainsi que les jeunes de Sarajevo et de Choisy-le-Roi qui ont réalisé la fresque sous la houlette des artistes Edge et Medra. Nous tenons à remercier Benoît Piel et les jeunes des ateliers théâtre de l'Espace Langevin.